Je vais vous parler de la sécurité routière. Ils ont installé des nouveaux radars. C'était quand l'installation des radars à la base? En 2005, par Nicolas Sarkozy. C'était quoi la politique à l'époque? C'était pour faire moins d'accidents dans la route. Ça avait été bien accueilli? Non, pas trop, mais au bout d'une année, ça a été accepté parce qu'il y a eu beaucoup moins de morts dans la route. Pourquoi en ce moment on reparle beaucoup justement de ces radars? Parce qu'avant, il y avait les panneaux avertissant qu'il y avait les radars et tout ça. Maintenant, ils veulent l'enlever. Qui est-ce qui a décidé de les enlever? Le ministre de l'Intérieur. Comment cette décision elle a été accueillie d'enlever les panneaux avertisseurs? Bah, pas très bien. Par qui? Par certaines personnes du gouvernement et par des citoyens. Bien sûr, pourquoi les automobilistes, justement, ça leur plaît pas? Bah, parce qu'ils vont se faire lâcher plusieurs fois par rapport à d'autres, comme il y avait les panneaux. Et c'est quoi aussi le risque du fait qu'il n'y ait plus les panneaux pour les automobilistes? Bah, que s'ils fassent une petite erreur, c'est bon, c'est mort. Peut-être que l'autre, par exemple, quelqu'un il va super vite comme un chauffard, dès qu'il voit un radar, il va ralentir et l'autre derrière, ça va lui faire des accidents plus bas. Donc finalement, le gouvernement, il y a un moment, il a parlé de faire marche arrière, remettre les panneaux. On en est où là? Bah, François Fillon a tranché, il a dit qu'on les enlevait définitivement. Et il y a certaines personnes du gouvernement qui est contre cette décision.